Salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, je vais bientôt faire la présentation de cette voiture au niveau de la conception que j'ai dû faire dessus. Que je vais quand même vous montrer comme ça pour voir ce que ça donne. Je vais zoomer un peu. Hop. Recadrer. Voilà. On va encore zoomer. Voilà, bon, ah, c'est bon. Donc, ceci est une Kyosho VONS que j'ai converti en brushless. Voilà, avec une platine en alu. C'est maison, je sais plus c'est quoi déjà comme platine, sachant que c'est pas moi qui l'a fait. Support moteur qui va sur quasiment sur toutes mes voitures, j'ai envie de dire. Hop, j'essaie de recadrer parce que je regarde sur mon téléphone en même temps. Comme ça, vous voyez la bête. Moteur stylo BAO, demi-cavé. Donc, malheureusement, j'ai dû la laisser en deux-roues motrices parce que j'ai perdu une poulie qui entraîne les roues avant. Donc, on est sur du 4S. Variateur ici. Le châssis. Voilà. Et on va allumer la bête. Bon, j'ai dû partir pour faire un truc vite fait. Bon, on va la mettre en route. Hop, c'est pas chaud. Du coup, l'interrupteur est à l'intérieur. J'ai gardé le boîtier de réception d'origine. Voilà. Tout est là-dedans. L'interrupteur, je l'ai pas collé parce que j'ai la flemme. Puis en même temps, ça me sert à rien. Oula, erreur de débutant. J'ai allumé la voiture avant la radio. Chose à ne pas reproduire. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours des trains qui passent en même temps. Voilà. Alors, c'est bon. Tac. Eclipse. Et la carrosse s'envole. Et voilà. Et c'est pareil. Hop, je vais resserrer la lipo. Alors, je sais pas ce que ça donne encore avec ces pneus que j'ai mis. Donc on va tester. Les trains casse-pieds, sérieux, ils me font chier ces trains. Hop, ouais, ça va être la rentrée. Hop. Voilà. Tac. Aïe. Hop. J'en mets qu'un, vu que j'ai que pas beaucoup de clips. Ouais, on va faire du crawler. Oh, je crois que ça allait monter. Je suis sûr, elle va plus monter. Ouais, j'ai pas de frein moteur. Allez, on la pose. On va dézoomer. Oh. Par contre, faut que je recadre la caméra. Je vais descendre un peu la caméra. Non, ça doit être bon. On va faire un test. Je garde le téléphone sur moi, comme ça je vois ce qui se passe sur l'écran, sur la GoPro. Donc j'ai refait les réglages des biellettes. Voilà, ça a l'air d'être bon. C'est
C'est mieux avec une carrosserie. Hein. On va aller à l'endroit où j'aime bien. On va attendre que Richard passe. Pas beaucoup, mais je le sais. Va-t-elle passer? Oui, ça va, ça c'est où? Je suis sûr, elle doit facilement atteindre les 100 km/h au moins. Au moins. Hein. Et désolé pour le vent. Oh, ça accroche. Elle glisse pas pour l'instant. Bon, je range mon tel parce que j'en ai plus besoin. Hop, voilà. Petit entraînement. Hop. Ouais, ça va. Oula. Ah non, ça va pas ça. Ça fait un petit peu, il peut être étonné. Je suis à fond au niveau des potes. Ah bah, j'étais même pas à fond pour ça. C'est une drôle de truc, hein. Oh, ça va. Ouh, la glisse. Sur circuit, elle ira mieux. Je vais faire un truc. Hop. Je peux le faire. On va le mettre ici à fond. Pour une deux-roues motrice, ça va. On a un bon comportement. Donc le différentiel arrière est plus dur. Ok, je sais pas c'est quoi comme huile parce qu'il me semble que j'ai mis de la graisse. La graisse elle est assez épaisse. Oula! Oh, punaise! Voilà ce que ça fait un caillou. Putain, la voiture elle a décollé quoi. Sérieux? La voiture elle a sauté. Là, on va chauffer les pneus. Fais chauffer la gomme. M'en fous, c'est des pneus. Je peux pas m'en servir en compétition, je vais pour en faire. Oh! Allez! Bon, les coinceurs! Allez! Oh, les cailloux! Ah, il y a des cailloux à l'intérieur! Merde, je suis coincé! Ça va. Ah, même pour du deux-roues-motrices, j'arrive à la contrôler. Bien sûr, comme c'est poussiéreux. Ouais, je vais régler la trim. Ouais, elle doit être là. Allez, une petite pointe. Pour lire. Oula! Ah, c'est passé quoi? Ah, je croyais que je pouvais plus avancer. À fond, ouais, c'est bon. Là, pour tourner, je suis obligé de freiner.
Oula. Waouh. Oh, il nous fait des jumps. Je fais des jumps avec une piste. Donc les réglages de suspension, ça a l'air bon. Oula. Ça se voit que j'ai remis le deal. Hein. Bon, je vais aller. Il faudrait en gros plus accrocheur. Ça s'accroche pas du tout. Il a fait pas de bruit, hein. On a pu le voir au niveau de la transition. Ah, c'est mieux, la plus droite. Allez, roulement. Bah, c'est quelqu'un. Hein. Avec la petite vitesse que je suis sûr que je dois pas quand même une grosse autonomie. Moi, je suis pas à fond, mais ça serait mieux avec une 4 roues motrices. Je vais essayer d'aller là-bas. Ah, il faut que j'atteste un circuit, hein. Il n'y a pas. Hein. On fait un petit virage. Allez. Putain, c'est quel tir, franchement. C'est chiant, je vais t'emmerder par les voitures. J'ai pas vraiment d'endroit pour rouler. Que j'étais dans la poussière. Oula. Les pneus sont glissants. Les roues avant glissent, je fais du drift.
Là, je suis à fond. Bon, à 100 km/h, je pense pas. Du moins, avec ces roues-là. Oula. Je crois que j'ai eu une perte de connexion. Ouais. Ah, je suis coincé. Je vois les roues avant qu'ils bougent. Ok. Ah, c'est bon. Est bloqué. Bizarre. C'est quoi ce bruit? C'est les pneus? Ouais. Non, j'étais à fond. C'est qu'elle tient, hein. Même dans motrice, franchement, je suis impressionné. Oh. C'est quoi ce bruit? Ah, d'accord, ok. La carrosserie qui glisse sur la... Oh merde, j'ai plus de réception. Pardon. Wow, ça a l'air fait avec les voitures. J'y vais trop loin. Quel con. Est-ce que je peux aller là-dedans? Oula. J'espère qu'on va me rien dire. Un petit jump? Non. En même temps. Hein. Oula. Je marche sur la voiture. Putain, t'as beaucoup trop de saleté sur la route. Les mieux sur circuit. Hein. Ouf. Genre la hisse, ça filme toujours. Bah, c'est pas assez rapide pour planter.
Il y aura sûrement peut-être pas de crash. Alors, est-ce que tu filmes tout le temps? Ça filme toujours, c'est parfait ça. Putain, je pensais que la voiture allait partir sur le... sur la route. Il faut y avoir un plantage en plein direct. Pas de pilotage chaud. Oula, oh ça va. Pas de pilotage ça mon gars. Mais ouais mon gars, putain. Je fais du drift en deux-roues motrices. Pas une voiture qui arrive. Elle va sauter avec les petits cailloux. Waouh, je m'en doutais. Vous avez failli avoir un petit crash en direct. En direct, on veut. Hein. Ah, j'ai glissé, chef. Hein? Let's go. Ah, oula, le variateur. Ouh, le variateur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai cassé les hélices. Ah non, ça va. Par contre, le variateur il balade, c'est pour nous. Faut que je vais arrêter. Hein. Ouais, il tient plus en place. Bon. Bon, on va arrêter là. Voilà, jusqu'à la maison. Oula, c'est quoi qui s'est barré? Oula, je vais me prendre la voiture. Je suis coincé.
Ah, elle est où la voiture? Ouais. Ah. Oh putain. Ça, c'est vraiment incontrôlable sur les cailloux. En même temps, je veux dire, c'est normal. Ouh, elle a fait un vol plané. Et Rémi, le casse-cou, qui casse ses voitures. Oula, faire gaffe. Bon, je vais faire un truc exprès, c'est pas bon. Mais je vais faire un truc exprès. Ah, je crois que c'est... Je vais casser la voiture quoi. M'en fous, j'ai de la pièce. Justin, mais un problème. Ah, c'est pas des crashs exceptionnels. Putain. Ça. Oula. Oula. Bon, pas de voiture qui arrive. Si. Non, je suis encore coincé. Heureusement qu'il a remis le pare-choc. Hein. Ouh, c'était pas prévu ça. Oula, c'est quoi ça? C'est la batterie qui s'est décalée ou bien... Ah non, c'est pas la terre qui se barre. Ah, c'était pas prévu ça par contre. Je vous le jure. Je vais faire une petite pointe comme ça et... Faire un petit virage, c'est vrai. Ah non, l'arrêteur il se barre. Bon, tu peux pas tenir jusqu'à la maison, s'il te plaît. Ça serait bien. Voilà, tu rentres dans ton petit socle. Voilà. Qu'il faut que je refasse. Bah allez, on va rentrer bredouille. On va éviter de casser la voiture. Ah mais à cause d'un petit caillou je me bloque, sérieux. T'attends de rentrer à la maison toi. On te fait te barrer. Oh, mais...
casse les pieds, ce variateur. Et tu tenais super bien. Et maintenant, tu ne tiens plus, là. Voilà, tu bouges plus. Non, mais... Tu vois que je parle tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir rerouler avec la V1S. Ouais, plus avec la configuration de roue motrice. Ça fait super longtemps qu'elle n'a pas roulé. Ça fait un... Ah, tu commences 5-6 ans qu'elle n'a pas roulé cette voiture. Un électrique, bien évidemment, pas si en thermique. Ah, bien sûr, déjà roule en thermique, hein. Ton G, ça fait un bail. Oula. Je vais essayer de faire une dernière pointe et puis oh. Rentre dans ton longement variateur de mes deux. Voilà. Ouais, c'est une bonne voiture hein, quand même. Je pense que j'ai même pas besoin de la régler. Ah, tourne. Ouais, reviens là avant que les voitures arrivent. Allez, j'arrête. Allez, salut tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo sur peut-être le V1S au niveau du de la prépa et du démontage. Après voilà. Allez, salut tout le monde, à bientôt.